Un invité de marque au sommet Ecofin, mais aussi un signe de l'inquiétude transatlantique au sujet de la crise grecque. Timothy Geithner, le secrétaire américain au Trésor, est arrivé ce matin à Wrocław, en Pologne, où a lieu jusqu'à demain un sommet informel des ministres des Finances de la zone euro. Objectif, accorder les violons avant de mettre à nouveau la main à la poche pour aider la Grèce. Nous avons des problèmes en Europe et aux États-Unis, estime Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances. Et nous devons des deux côtés de l'Atlantique les résoudre pour obtenir plus de stabilité sur les marchés financiers, car nous avons à craindre un affaiblissement du développement économique mondial. La ministre autrichienne des Finances a déjà mis les pieds dans le plat en n'excluant pas qu'une faillite de la Grèce soit la meilleure solution, car son sauvetage va coûter cher aux Européens. La Finlande et d'autres veulent des garanties en échange des nouveaux prêts à Athènes. La France et l'Allemagne ont réitéré leur souhait hier que la Grèce reste dans la zone euro, mais le travail d'austérité doit continuer, alors que chaque nouvelle mesure suscite un tollé parmi la population grecque.